Donc Edimi, le loge, j'ai dit. Donc il faut visiter ce même lieu. Donc ce naïe rapide, les a d'abord pour le respect à presse Nengosa Nazali de son avis. Naïa qui vous respecter, pour faire avec Moussa et pour d'accord. Et il ne faut pas oublier que non, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je pense que ça va être ma fierté. Et bien, je suis fier tant que producteur, que j'ai un artiste aussi, j'ai produit. Et donc, la musique à Azali, je pense que c'est la route de la musique à moi tant que producteur pour adhérer déjà à la musique. Parce que Azali, il y a rien à la musique, il y a l'air de ça, il y a la fierté à Gogo. Donc voilà. Ma question est dans la vélo, ça va bien. Ça, une heure au moins. Ah, une heure. D'ailleurs, je pense dans 2 minutes peut-être. Ok. Chers interprètes, bonjour. Ok, s'il vous plaît, écoutez, parce que là, on est déjà en ligne. Vous allez dans... Deuxième des choses, nous allons parler de la première plateforme streaming. Mouska dans ce point de presse. Alors, avant peut-être de présenter tout le monde ici présent, je vais rapidement vous parler de Grandi, de ce point de presse. Primo, il n'y aura pas de questions concernant la politique. Il n'y aura pas de questions sur la politique. Il n'y aura pas de questions sur la vie privée de l'artiste musicien Ferregola. Il n'y aura pas aussi de questions concernant les autres artistes dans ce point de presse. Donc, j'ai été un peu bref pour parler de 2 points. Single, Regarde-moi, l'album, et ensuite Mouska. Alors ici, avant de passer la parole à Jonathan, je vais passer la parole à une présentation, bien sûr, à tout le monde, notamment à droite. Et je vais laisser la parole à M. Costa, bien sûr, qui va se présenter ainsi de suite. Et je vais reprendre la parole et passer le micro à Jonathan. Ouais, moi je me présente, je suis Costa Couleur, tout le monde le connaît. Et je suis le sponsor idéal de Ferregola. Voilà. Bonjour, je m'appelle John Mufondo, je suis le PCA de la Clique Musique, qui est un des copropriétaires de Mouska. Bonjour, je m'appelle M. Blaise Polo, je suis le directeur général du groupe Ferregola. Bonjour, je m'appelle... Bonjour tout le monde, je m'appelle Jonathan Montoya. Je suis de Vodacom, je suis en charge de cette jeune département du parti. Merci. Alors, mesdames et messieurs, nous allons évoluer. Je vais passer la parole à Jonathan. Parce que tout à l'heure, on sera en direct avec Universal Music Afrique, avec Claire, qui est bien sûr en ligne.
qui va essayer un peu de parler concernant certains points très essentiels. Alors Jonathan, je te passe la parole. Merci beaucoup, Dieu merci. Dieu chargé de la presse, c'est vrai que vous empêchez les autres à bien voir. Il aurait été important pour permettre à ce que l'artiste, les organisateurs ici présents, créent de l'émotion. Mais bon, je pense qu'on va aller voir directement aller expliquer c'est quoi tout cela, et puis comment Mousca existe, et les ambitions que poursuivait Mousca. Comme vous venez de le relayer tantôt, Dieu merci. Retenez que depuis, il y avait un article qui parlait de l'artiste Ferry Goulin. Regarde-moi Ferry Goulin, qui est l'artiste musicien congolais, qui s'illustre cette fois-ci en chanteur de performance dans un style un peu habituel, et en vigo la matinée. Jésus de Nuance est allé titiller la musique d'opéra avec sa voix mélancolique. On revient sur Mousca, qui est le premier plateforme de streaming panafricaine en RDC, qui est en partenariat avec Vodacom et la Clip Musique. Donc, nous sommes très heureux de vous annoncer que Mousca est en République démocratique du Congo de manière officielle depuis le mois de mai 2020. Mousca est en RDC et c'est une première plateforme de streaming qui va donner une autre dimension à la musique africaine. Donc, il est bien sûr l'humanité et de la diversité culturelle par excellence. L'Afrique n'a plus droit à crier au grand, soit encore dit qu'il est impuissante sur les disparitions de son patrimoine artistique, notamment le fond musical. Avec les amis d'Internet, donc, alors, les Asico, aujourd'hui, t'as dit cela bien. Avant aussi de vous présenter la vidéo, comment utiliser Mousca, comment télécharger Mousca, comment écouter la musique sur la plateforme Mousca. Peut-être que ça va arriver tout à l'heure. Mais nous allons commencer des questions, bien sûr, avec les amis d'Internet. Alors je pense, Moutou Arubiko Tracy, il faut se préparer là un micro Nayo. Je pense qu'on va prendre Boga. C'est Boga qui va introduire les amis d'Internet. Ok. Boga. Ils sont là. Boga. Ouais. Boga de la presse. Boga de la presse. Alors. Donc, Boga de la presse, équipe Nyon Zawa, artiste Azawa, Mousca Azawa. Donc, question Isaïe Panayo. Après, on va quitter l'Internet, on va maintenant aller à la télévision et puis la presse écrite. On va faire ainsi des suites. C'est comme ça qu'on va évoluer. Mais du moins, retenez que tout le monde aura au moins une question par rapport à ce qu'on est presse. Mais je vais qu'on soit un peu plus sur le plus rapide. Boga, question Nayo, puis sur Dalia. Bonjour. Bonjour Mousca, bonjour la Nouvelle-Calais. La Nouvelle-Calais, la présidente de Ebola, question. Oui. Bon, je ne sais pas si je suis pour moi, pour sauter les régions. La Nouvelle-Calais, la présidente de Ebola, question. Par rapport à l'égard de la Nouvelle-Calais, tu as dit que la présidente de Ebola, à ça, elle n'a pas bien. Mais par rapport à l'égard de moi, les causes à la clé pour écouter mon Dieu. On est la première question. Deuxième question, la dose est présentée, mais il y a un représentant égal. Par rapport à côté marketing, est-ce que c'est facile de s'assurer? Voilà, merci beaucoup. Oui. Attends, ma boucle. Merci, mon gars, de la presse. Sur tous les plans, tout le premier sur mon droit, comment on va 70 000 parce que tout le monde est opéra. Et réalisateur va s'allier, surtout pour les réalisateurs, ça va être une mine, c'est l'union. Et la raison pour laquelle on a mentionné la Néva de Tchaba, au bout de Tchaba. Donc, tout ça, la collaboration, vous savez presque 4 clips nous sur la dignité. Donc vous savez naïf. Et niveau représenté à droite, je pense que question de la. Ok. Ah oui. Ça, question là, autour du plan marketing. Voilà. Alors peut-être qu'au début aussi, tout le monde s'est présenté, il n'y a que moi qui présente l'idée. Moi c'est Dieu merci Gala. Je suis notamment le représentant de Graal, l'intervenant de la maison de production qui produit l'artiste Lucien Ferricola. Alors, je représente la maison de Mogadé. Alors, pour répondre à la question de Boga, sur le plan marketing, pour cet album,
Nous allons vraiment couvrir la zone francophone et la zone anglophone. Et dans ces deux zones que nous allons couvrir, nous allons beaucoup travailler sur le traditionnel marketing et le marketing digital, notamment sur tous les plans. On va beaucoup travailler sur le PR. Alors, comme certaines zones telles en Afrique et à la même en TNT, je peux peut-être vous donner un exemple comme Trace Télévision, notamment Trace Télévision par exemple, qui a plusieurs antennes, notamment il y a la zone anglophone et la zone francophone. Donc on va couvrir l'Afrique du Sud, on va couvrir le Ghana, nous allons couvrir le Nigeria et bien sûr nous allons couvrir la Côte d'Ivoire et d'autres zones francophones. Alors pour d'autres chaînes de télévision en termes de campagne, nous allons beaucoup travailler sur différentes stratégies, notamment on intervient sur les tranches matinales, on intervient dans le journal, on intervient dans les grandes émissions. Donc on sera vraiment très agressif en termes de marketing. C'est vrai que je ne peux pas donner certains détails sur notre stratégie. C'est vrai que l'artiste aussi se prépare bientôt pour le tour, bien sûr, de la presse qu'il va faire en Afrique. Alors, je pense que pour le Boga, je peux répondre sur sa question. Alors, voilà. Merci Boga, en tout cas, pour la question. Alors, rapidement, je continue toujours. On va avancer. Cette fois-ci, Dolomé Babami Internet. On va maintenant donner la parole peut-être aux amis de la télévision. Alors, côté télévision, et que vous allez à Mamie, il est là, RTNC, Karim Variété. En tout cas, il y a Mamie précis. Ouais. Il faut qu'il perde Mamie bien pour être dans la question un peu compliquée. Mais c'est adapté le micro, par exemple. Donc, il y a Mamie. Bon, Mamie, c'est pas ça, vous allez. Bonjour, merci beaucoup Familiela pour cette question. Donc Mouska est une entreprise de streaming, une plateforme de streaming. Alors une plateforme de streaming, c'est une boutique. C'est un peu comme la Fnac à l'époque, qui était des boutiques physiques. Aujourd'hui, Mouska, c'est une boutique en ligne. J'ai aucun problème de citer les d'autres exemples. Il y a Deezer que vous connaissez, Spotify, et ainsi de suite. Mouska est une boutique comme elle. Comme c'est une boutique, elle travaille avec tous les artistes. Ou elle travaille avec les labels des artistes et les agrégateurs qui nous donnent leur contenu. Nos abonnés peuvent aller et écouter le contenu, les streamer, les downloader sur leur téléphone ou les autres devices, comme on dit. Et ils peuvent écouter ça tant qu'ils sont abonnés. Alors, Mouska est une société, donc c'est une joint venture, donc c'est une société avec qui a la Click Music comme propriétaire à 50% et également deux autres propriétaires qui sont Bonaco, une société de solutions informatiques, et Yaba, qui est une société de conseil, qui elles deux sont des sociétés capverdiennes. Donc c'est une collaboration. En fait, Mouska est née d'une collaboration congolaise et capverdienne.
en rappelant que la Clique Musique est une société congolaise, donc une maison de disques et de distribution et de production congolaise. Aujourd'hui, c'est un groupe qui également a dans son actif un média qui s'appelle UFM 94.7 et qui, depuis des années, travaille en RDC et essaye de donner son petit poids pour que l'industrie musicale au Congo puisse vraiment naître. Parce que, vous le savez très bien, ça fait un bon bout de temps que notre industrie n'est pas aussi productive d'un point de vue économique surtout. Et Mouska vient de là. Donc Mouska est né du fait qu'on s'est dit, ok, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que nos artistes puissent gagner de l'argent, que les auteurs-compositeurs puissent gagner de l'argent en RDC. Alors on s'est dit, allô? Allô? Oui. Allô? Excusez-moi, il y a quelqu'un qui ne veut pas que je réponde. voilà, donc, allô? 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 Ça a coupé complètement. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que je réponde. Oui? Johnny, check un peu. Johnny, voilà. Très bien. Donc, comme je disais, là, j'ai une voix plus grave. Alors, comme je disais, la problématique qu'il y a, c'est que nos artistes ne gagnent pas d'argent avec leur production. Allô? 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 Alors, les artistes ne gagnent pas d'argent avec leurs produits dans leur propre pays. Ça c'est fatal. C'est incompréhensible que dans notre propre pays, nos artistes ne gagnent pas d'argent. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'une plateforme comme Mouska, une plateforme... J'espère que la technique est là. Il essaie d'arranger votre argent. Donc, une plateforme comme Mouska donne la possibilité aux artistes de pouvoir gagner de l'argent. Ok? Aujourd'hui, il y a des plateformes de étrangères qui sont là. Les gens font des streams dans des plateformes étrangères, mais ces plateformes étrangères ne rémunèrent pas les artistes avec l'argent du Congo. Et c'est ça qui est dommage. Donc, c'est à chacun d'entre vous qui écoute de la musique sur Mouska, contribue à ce que Ferré, un artiste comme Ferré, qui lui-même d'ailleurs est producteur d'autres artistes, arrive à faire entrer de l'argent pour produire encore plus, pour faire des meilleurs clips et ainsi de suite. Donc c'est la création d'un écosystème qui se met en place. Voilà, merci. Ok, merci Joe pour la réponse. Yamami, je pense que Mouska va répondre très bien. Ouais, alors, question à Bumba, toi, à Bumbi. Ah. Ouais, Yamami, en fait, nous avons eu et Bumbi Oyo. Clip, vous avez réalisé bien, vous savez déjà une année, ils avaient déjà en place, mais soit que vous avez dit, nous tout par rapport au Link Papa de Moussaka, la Sudel, et ils avaient vraiment, en fait, au Mekaki. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont fallu du matin. Mais tout ça, quand même un grand risque à Tchambo. Il y a un moment où, surtout, ils sont là, à côté de nous, ils ont tué, ils ont été, donc, quand ils ont mouru, nous, quand même, on a pris cette risque-là pour Tchambo. Et Dieu merci, et je remercie tout le monde de nous accueillir Tchambo. Et je pense que dès la vie, nous avons toujours ça, la bombe, la dynastie. Bien sûr, il y a ma amie qui a fini. Je pense cette fois-ci au soir. Bah, on a vu ce l'internet. On va pour moi un pro. La presse écrite? Non, je suis à la presse en ligne avant la presse écrite. Voilà, je suis Edmond Izouba. Edmond Izouba. Objectif Info. Donc, c'est oui, merci. Edmond Izouba. Allô? Bonjour. Bonjour, Edmond. C'est
question est si nous devons. Non, je vais arrêter d'aborder la parole. Non, on fait les tours de rôle. J'étais avec JDT, c'est le Lacoste, j'étais ici avec Bélinol. C'est un peu difficile de le réunir tous. Donc les autres, ils sont Babino, il est aux États-Unis. C'est un peu secret confidentiel, mais on est en train de discuter ça. Et chacun va se retrouver. Donc je pense, laissons les temps au temps. Donc je suis en train de négocier ça encore, mais ça va se faire. Si Dieu le veut, ça va se faire. Donc j'ai cette conviction-là, ça va se faire. Merci. Merci Aliko. Alors on va prendre Joystar. Lors de la dernière prestation, parmi les dernières, bien sûr, que j'ai eu à tester, j'ai même dit, je le répète, Ferrego est un temps sa baisse d'eau comme un bacal. Parce qu'à tous les outils pour que peuple écoute et qu'il est. Et là, je pense que le DG vient de l'écouter. Ma question. Oui, voilà. Deux petites questions. Costa Couleur, c'est mythique. C'est quoi la structure? Costa Couleur n'a pas qu'est-ce qu'il y a à faire. Ah oui, c'est une bonne question. Le véritable Cross à couleur. Et la deuxième question, c'est la chanson Reviens de moi, on pensait que Céline Dion serait là, parce qu'on a entendu, vous avez promis, mais c'était la voix de Ferrego là, et ça nous a fait rêver à cause de Céline Dion. Mais on attend quelque chose qui a été promis, c'est un duo avec Maître Kitt. Oui. Je suis toujours sur ma soif. Est-ce que ça sera la voix de Ferrego là, un peu du Kings, ou ça sera vraiment du face à face avec le Kings? D'accord. Merci, Joël, la question déjà. Des questions. Les Costa Couleur, tu sais, moment pour nous en haut, il faut avoir des gens qui nous soutiennent. Et c'est un grand frère déjà. Si j'ai un problème aujourd'hui, si je n'arrive pas à les résoudre, je l'appelle, je lui demande comment j'ai fait. Et il est là pour nous tous. C'est un grand conseiller déjà. Et merci encore lui pour le soutien. Donc il est là pour faire rigoler. Et merci encore. Et Gio avec Maître Gims, je pense, notre manager Aya, elle est en train de les négocier encore. Et il faut savoir que nos maîtres Gims, à ce moment en France, il est numéro 1. Et c'est comme Johnny Hallyday d'aujourd'hui, quoi. Donc, vraiment, il a ce temps aussi, donc il a les déplacements. Il est en train d'enregistrer aussi un nouvel album. On est en train de faire des efforts, là, comme on avait promis aux gens. Et ça va être un peu secret, mais bon. On attend l'album, quand ça va sortir, qu'est-ce que ça va nous donner. Donc, on attend. On attend. Merci en tout cas pour la réponse. On va prendre Magali Sissi. Ah, il y a Magali à la vie déjà. Mais si, il y en a la vie. Je ne sais pas si les amis, Nengen Abisso, ma RDC, à vous allez là. Naïvité sur la boue à mon sous-sous, à la boue. Naïvité. Bon, je vais dire déjà grand merci à ma maman, parce qu'il m'a fait son amour. Pour que son salaire va bien, pas de bazo.
bazo critiquer, bazo lumba, ils allaient un peu bien. Pour ça, il y a le mot de guerre, tout le monde dans le silence. Non. Nous devons faire l'opinion, on a émergé. Je suis habitué à ma critique, à ma routine, à ma voisine, tout ça pour les aider. Je pense. Et dans le barrage, il y a tout le monde à remettre le changement, ma qualité, la vie sur moi, ok, 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 ils allaient bien. Et côté le bureau, je pense que le bureau de Mbalazalia, Kazoukama, toujours ça là-bas est fort. La critique de la bureau de toujours ça là-bas est fort. Tout comme ça va m'aller. Même si la France, vous avez une équipe de communication, vous avez une équipe de communication, vous avez une équipe de communication, vous avez une équipe de toujours ça va tout recadrer encore. C'est que les gens ne comprennent pas que non, les lots nous ont monté. Il faut avoir la rôle là. Sauf que vous bien que nous avons eu les alliés à DG Poloté, et vous allez prendre peut-être un trésor commenté. Sauf que vous allez prendre un trésor commenté, vous allez peut-être apprécier, et vous allez peut-être dire merci à tous les autres travailleurs là-bas. Toujours ça, le fort, on a qui nous la structure. Côté OU, ils ont bien avec la critique Nabino, tout le monde qui s'accorde. Peut-être que vous avez la critique par la mission de Maïk. Peut-être que vous avez côté de la plus pire encore. Mais merci, vous avez jeté la fleur quand même dans la critique. Voilà. Et ça, la mission encore tout retravailler. Bah, on a besoin de la soutenir quand je pense que c'est la bien. Vous devez avoir un peu de toute façon à ça. Merci. Merci en tout cas pour la réponse. Alors, nous sommes presque à la fin. Rapidement, on va prendre, prendre Nancy Basselé. On commence avec Nancy. Bonsoir. Nancy Basselé, de la Côte d'Ivoire et Télé-Cité.